présenté par François de Tussaud de Tarbes. Ah, on retrouve encore un Lagoignan. Lagoignan qui avait disparu pendant quelques années. Benoît Thérin qui revient en force avec ses troisième Lagoignan pour une minute ici. Yves Lagoignan, fils de Chec et Annie Maya du Castel, même issu de Exécute. Anima Mea. Ben c'est marqué Anima Mea, ben après c'est Anina Mea. Anina Mea, c'est marqué Anima Mea. Ah, d'accord. Ah, on a un siège. Alors, vas-y, je suis perdu. Donc, Chec est la mère par exécute, voilà. De la famille de Lefastabili, qui se met le talon, qui fait ça, c'est lui-même. Et aussi la famille de Leverga. Ah, Leverga. Il a fait la montre Leverga au haras de. Du Lyon d'Angers, Art National du Lyon d'Angers, à l'époque où il y avait des étalons en Loara partout en France, dans les différentes stations des Arts Nationaux. Bah, il a bien marché le Verga au Art National du Lyon d'Angers, je me rappelle. Allez, on va lancer Hitz Vergoignon Pro. Il est de la faute, mais ce n'est pas grave, ça, ça s'en met tout d'état. Le 75, donc, on va replacer quelques secondes. Clairvoyant, très très belle tête d'ailleurs. Le 78, pardon, qu'est-ce que je raconte? Le 78, pas d'erreur, le 78, tout très clairvoyant. Et la Berline, présenté par Françoise Dufault, la souche élevage clairvoyant. La belle en tout cas, clairvoyant, fils de chèque.